on ne pourrait pas se pouvoir ici. Comme ça, là, tu allais toujours à Londres, tu allais toujours aux États-Unis. Tu vas arrêter là, tu vas faire des achats au marché, tu vas à Paris marcher, puis tu viens. Elle dit ce pouvoir-là, quand on est sur la terre des hommes, on n'a pas ce pouvoir. C'est quand il fait nuit qu'on est là-bas qu'on a ce pouvoir. Mais est-ce que dans la journée tu peux attaquer quelqu'un? Non, puisque quand ils vendent la nourriture, puis les gens viennent prendre, toi tu prends les chances. C'est pas la nuit, et ils viennent manger ta nourriture. Elle dit là, c'est difficile. Quand c'est dans la journée. Oui, mais tu as dit ici que non seulement toi tu prends l'excrément, tu mets ça dans la nourriture, dans la sauce. Quand eux ils mangent, ça les affaiblit. Quand ils viennent acheter, quand il y a une chance, tu prends. C'est dans la journée. Elle dit, quand c'est la nuit, c'est là qu'eux ont véritablement leur pouvoir. Mais dans la journée, là, ils sont un peu limités. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus le pouvoir, mais ils sont limités. Mais c'est la nuit qu'ils ont leur plein pouvoir. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Maintenant, là, tu as laissé. Le goût comme nous avons écouté. Elle dit que c'est pas bon là-bas même. Ah, mais tu dis la zone là, elle bouffe. Mais il a t'en amené maintenant. Elle dit, ah, est-ce qu'elle peut retourner là-bas, c'est qu'elle a vu là. Tu as vu quoi? Elle dit, il y a le feu maintenant. Partout. Dans la ville, il y a le feu partout. Comment ça? Nos prières l'envoyer le feu partout. Elle dit que Dieu vous a donné ce pouvoir. Tu m'as attaqué un jour. Il ira dans ce quoi. Elle dit non. Elle dit elle n'a pas. Pourquoi? Elle dit elle sait que vous avez un pouvoir de Dieu sur vous. Il y a des gens qui essaient. Il vient mon couteau pour voir. Il y a des gens qui essaient. Elle dit, ah, quand elle a pris ça, elle s'est dit que les enfants là, c'est la, les propres morts qui cherchent. Si tu acceptes Jésus, véritablement, on est encore Jésus, combien de force en nous? Tu auras cette force là en toi. Mais quand on est tête, on est cocouille. C'est tout. On est mis que Dieu t'aime. On l'a gagné. Malgré toi, tu as tué des gens, tu as gâché des gens. On est un drapeau, un drapeau. C'est ta nouvelle vie là, la vie actuelle là, qui intéresse maintenant Dieu. On est dans. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut marcher avec lui. Tu étais églisienne ou tu vas à l'église. On appelle ça églisienne. Voilà, tu peux lever la main, tu as accepté Jésus. Lève la main. Pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Amen. Maintenant, Jésus est rentré dans ton cœur. Oh, dis Jésus. Oh, Jésus est rentré dans ton cœur. Elle remercie le Seigneur. Voilà. Il a pardonné, hein? Elle dit qu'elle remercie le Seigneur. Dieu t'aime. Je te trouve beaucoup sincère ce soir. Elle dit qu'elle reconnaît que le Seigneur l'a vraiment aimé et vos prières aussi l'ont beaucoup aidé. Je vais l'aider. On est au clair.
Dans l'encadrement, on va t'aider. Moi, tu suis le Seigneur. On est là pour les faire les mentir de pour d'aller. Les gens parlent. Ils vont oublier. Amen. Si tu es en contact avec Dieu, Dieu permettra que les gens oublient ton passé. Tout ça, ils vont oublier. Tout va dépendre de toi. Tout dépendra de toi. Quoi? Si tu es véritablement lui, là, c'est fini. Il faudra que les gens puissent oublier ton passé. Tu faisais des choses, tu n'as pas voulu dire, mais je vais t'aider. Elle faisait que les gens n'ont plus de menstrues, elle bloque les menstrues des femmes, et puis elle mangeait le fœtus. C'était ta spécialité dans ce village. Ceci n'a pas voulu dire hier. Mais Dieu t'a pardonné. La gorge, oui, la petite, la vient. Tu reconnais ta sorcellerie. Arrive. Et parlez ma bouche, hein. C'est pas ma tête, c'est pas. Hein? Tu m'as vu en train de réveiller ma tête. Hein? C'est un matin, j'en ai parlé. Hein? Pour ma si je parle là. Quand je parle, t'entends pas. Hein? Viens parler. Tu es sorcier. T'entends pas, hein? C'est pas bon. Tu es sorcier. Qui t'a donné? Elle n'a pas de nom. Andrea. Hein? Elle n'a pas de nom. Andrea. Comment t'as donné la sauce? Le cœur va être. Où est Andrea là? Ouais. Comment t'as donné ça? Le cœur, le cœur. Et puis. Mon frère n'a pas l'argent. C'était la peur. Tout m'a fait le passé à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pogné pied. Hein? C'était une sorcière. Tu veux devenir sorcière? Mais depuis, tu n'as fait quoi? Je suis la nuit quand tu dormais. Parle fort, parle fort. Quand je dormais la nuit, dans mon sommeil, je me suis retrouvé à Caraco. J'étais déjà en haut. Elle est en Aguaro, c'est la fois que je suis. Qui t'a dit ça? C'est elle. Elle. Vous l'avez retrouvée à Aguaro. Elle m'a dit quoi? Et puis elle m'a dit qu'on est venu ici. Que tu as donné ce sommeil qui avait voûté manger. Puis tu as mangé. C'est ça? Ça n'a pas duré. Et puis on est parti à Iri. J'ai dit ça à maman. Maman a prié pour moi à la maison d'abord. Et elle m'a appris. Les pères, je l'ai passé, elle a prié pour moi. Et puis maman a prié aussi pour moi à la maison. Et puis je suis là à prier. Et puis, quand va s'arrêter. C'est ça, maman a commencé à prier, elle a prié, elle a prié. Elle va continuer à prier toujours. C'est ça, j'ai compris. C'est ça, la nuit, quand tu me. Je suis partie, la voiture m'a dit que. Non, elle a prié, elle n'a pas arrêté. Pour tes délivrances, c'est que tu vas prier. Et puis, elle m'a dit que, c'est que, en temps, je veux que ton père travaille dessus là. Ça va? Oui. C'est quand on a joué que ton père travaille dessus là. Des papiers? J'ai envoyé ça. Et puis, elle a fait tout mon père travail. Elle dit quoi? Elle a envoyé les papiers de ton papa? Il va travailler. Il va travailler maintenant. Elle est dans le travail, là. Hein? Vas-y. Et puis il a envoyé, elle a pris, et puis elle a caché, ça va voir où elle a caché. Et puis on est venu à la maison. La nuit qu'on est venu encore là. Et puis elle m'a demandé, ton père travaille. Je t'ai dit non, il travaille pas, j'étais blague. Je voulais que ton père travaille pas. Je t'ai dit, toi tu es méchant. Toi ton père travaille, ça moi c'est pas que ton père travaille. Je n'ai rien dit, il n'a pas parlé. Il est méchant. Et puis, elle m'a demandé encore que
Parmi nous, ça a détonné quelqu'un.